Mercredi 17, 32e étape qui va m'emmener de Beau à Ploué. Donc hier une étape pleine de surprises, déjà accueillie par Madame le maire de Beau. On n'avait pas eu l'information, donc très belle surprise. Ensuite on essaye de contacter les grands médias et le fils d'une personne que j'ai rencontrée travaille dans les grands médias télévisuels, donc on va voir pour le sensibiliser. Madame le maire de Beau qui s'est engagée à me donner la main pour sensibiliser et parler du handicap invisible et tous les problèmes que l'on rencontre dans la construction des dossiers pour faire reconnaître une personne handicapée. Et mon accueil chez Marie-Lise et Denis. Marie-Lise que j'ai rencontrée il y a une quinzaine de jours, trois semaines, que j'ai rencontrée sur en Vendée. Elle descendait en vélo avec une amie à elle sur Arcachon. Moi je montais direction Brest et puis nous avons échangé sur nos parcours et elle m'a dit si tu as un problème, appelle-moi. Et donc voilà. Donc grâce à Marie-Lise, ben, j'ai eu l'hébergement à Vannes. Et hier soir j'ai dormi chez Denis et Marie-Lise. Et on a pris rendez-vous pour l'année prochaine. Je devrais passer pas très loin encore quand je monterai de Menton sur Brest. Donc rendez-vous l'année prochaine pour partager un petit bout de chemin. Donc là, direction Ploué, une étape un peu longue. Il est 8h du matin, il fait 7 degrés, c'est un peu frais. L'étape va être moins agréable qu'hier en termes de parcours, puisque ça va être beaucoup de route. Au moins pendant au moins la moitié du parcours. Je ne sais pas s'il faut que je passe sur cette passerelle. On va vérifier. Hein. Salut toi. Après 14 km au bord de route, plus ou moins à circulation, j'ai enfin retrouvé un chemin. Alors, officiellement, je serai sur le GR38, mais d'après la cartographie, mais il n'y a aucun balisage. J'espère qu'il n'a pas été dévié et qu'à l'extrémité de celui-ci, je n'aurai pas une mauvaise surprise. Bon, c'est pas pour ça qu'il est plus fréquenté. Hein. Mais bon, il y a quand même la trace. Voilà. Donc le GR38 c'est à tout droit et le GR34 c'est à gauche. Donc le GR34 il est là. Le GR38 il n'existe plus. Il est obstrué. Donc on va modifier, on va prendre une partie du GR34 et malheureusement on va aller rejoindre la route. C'était pas ce qui était prévu. Donc c'est le pont Bubri. Bon, c'est déjà sympa, j'ai un pont pour traverser cette rivière. Pas être obligé de traverser comme ça m'est arrivé par moment.
Voilà, j'arrive à Plouet, où il risque d'y avoir du bruit ce soir parce qu'il y a le rassemblement national, mais je vais même dire international, puisque j'ai des Belges qui m'ont doublé. Donc des deux chevaux. Je ne sais pas combien ils attendent de véhicules, mais ça c'est vraiment un très gros rassemblement. Donc j'avais connu il y a quelques années celui de Sévorac le Château, dans l'Aveyron. Donc c'est à peu près du même acabit. Et voilà, donc Plouet, une étape un peu compliquée dans le sens où il a fallu modifier le parcours par rapport au GR38 qui était obstrué et revenir sur la route. Alors même si c'était pas forcément une route majeure, c'est quand même pas toujours très agréable. Et on a rajouté un peu quelques kilomètres, mais je suis dans les temps pour arriver. J'avais rendez-vous à 14h30 à la mairie. Je serai dans les temps pour ça, c'est l'essentiel. Alors j'aurai pas le temps de tout faire, mais voilà un petit. Ah, je me promène dans le camp de base du rassemblement des deux internationales. Donc il y a des Anglais, des Français, des Néerlandais, des Belges, des Allemands, des Suisses. Ce qui est impressionnant, c'est que pour la grande majorité, les propriétaires ont l'âge de la voiture, voire même plus. Et la grande majorité dorment tous sous la tente. Celle-là n'est pas toute jeune. Mais celle-là, elle va...